Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Gamer du Midi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur Sea of Thieves. On va aller à la recherche des 5 livres de la 4e fable, Les étoiles d'un voleur, et nous allons réaliser la promotion Les notes d'un observateur d'étoiles. Il faudra donc trouver les 5 notes reliées à cette fable. Nous allons visiter plusieurs îles, Runner Isle, Crescent Island, Plunder Valley, Snake Island, et la dernière sera Devil's Reach. Pour Runner Island, il faudra se rendre sur l'îlot à l'est de l'île, ici. Rendez-vous donc sur l'îlot le plus à l'est, juste à côté de la longue vue. Ici se trouve le livre L'étoile du Nord de Guidra. Pour le second livre sur Crescent Island, il faudra vous rendre au sud-ouest, au bout de ces rochers. Alors Crescent Island, arrivez donc par le côté sud-ouest de l'île, accostez sur cette petite plage. Rendez-vous sur ce rocher. Et donc face à la mer en direction du sud-ouest, au bout de ce rocher, vous trouverez une longue vue. Et le deuxième livre, Le lien du Kraken. Pour Plunder Valley, rendez-vous au plein centre de l'île, en son sommet. Donc, il vous faudra accoster sur cette plage au nord, face à cette caverne. Vous aurez ici une pente sur votre gauche, direction est, pour commencer l'ascension, car il vous faudra en effet arriver tout en haut de l'île, sur le point culminant. Vous allez pouvoir monter tout en haut en suivant un chemin en colimaçon en fait qui va vous faire grimper au fur et à mesure jusqu'au sommet. Il n'y a pas vraiment de point de repère si ce n'est le colimaçon. Une fois que vous arrivez face à cet hôtel, prenez sur la droite en direction du fanal. Sur le côté sud-est de l'île, et juste à côté du fanal en contrebas, vous trouverez la fameuse longue vue et le troisième journal, le petit poisson éclat. Pour la prochaine île, nous avons fait voile vers Snake Island et on devra se diriger vers la partie nord-est de l'île principale, à peu près ici. Pour le quatrième bouquin, je vous conseille d'arriver sur cette île au niveau de la face nord de l'île centrale de Snake Island. À partir de cette petite étendue de sable, vous allez grimper ici en direction du sud et vous allez suivre le chemin. Passez entre les deux têtes de serpent. Poursuivre en suivant toujours les chemins, vous allez passer à côté de cet hôtel. Et vous arrivez ici au fameux Spyglass avec le bouquin qui se trouve juste en contrebas ici. Le serpent a ce qu'il mérite. Pour le dernier livre, nous faisons route vers Devil's Ridge au niveau de ce rocher au nord de l'île. En arrivant sur la plage à l'ouest de Devil's Ridge, au niveau de la cascade, vous remonterez tout droit direction sud-est, laissant la cascade sur votre gauche. Il y a également ici un PNJ Martha qui sera laissé sur votre gauche et vous commencez votre ascension. Il va encore falloir monter tout en haut de cette île, car encore une fois on recherche une longue vue située sur un site d'observation pour les étoiles. On va chercher à atteindre le sommet ici,
Et pour ce faire, il va falloir utiliser l'arche qui est juste là au niveau des rochers. Donc normalement on peut sauter par là. Alors, attendez. Voilà, il va falloir utiliser cette arche ici pour grimper. Voilà, ici passer juste là. Et on va pouvoir atteindre le sommet rocheux. Ici, vous arrivez sur le site d'observation et vous trouvez juste en dessous des parchemins le dernier journal, la guerre qui a ébranlé les cieux. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous devriez normalement avoir donc tous les livres de la fable Les étoiles d'un voleur. Et vous devriez avoir la promotion Les notes d'un observateur d'étoiles complétées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce, mettre des commentaires, partager la vidéo. Je vous attends bien sûr tous les midis avec l'équipage sur la chaîne Twitch Gamer du Midi à 12h45. Je vous fais des gros bisous. Bon après-midi, ciao.